Eh bien, bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une vidéo, on se retrouve sur Minecraft. Mais attention, on se retrouve avec un mode super particulier qui est toujours en work in progress depuis 2015, attention, hein. On se retrouve, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Face. Et vu que la sortie de Mirror's Edge Catalyst a été hier, c'était hier la sortie du jeu, je crois. Sachant que je suis un très très grand fan de Mirror's Edge, j'ai voulu faire une vidéo. Mais sauf que là on est dans Minecraft avec la ville de Mirror's Edge 1. Et donc comme vous pouvez voir on est avec deux mains. Alors vous pourrez l'entendre, j'ai un clavier mécanique, j'ai fait l'acquisition du Black Widow. C'est un petit plaisir que je me suis fait. Non, franchement, on va continuer la vidéo sinon je vais me perdre dans ce que je vais dire. Donc vous pouvez voir que j'ai pas de shaders, hein, donc je pense que vous l'aurez déjà vu sur plein d'autres youtubeurs bien connus. Donc je suis sur Minecraft mais avec le mode Cube Edge. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mods. Cube's Edge, donc I like Mirror's Edge, machin, on s'en fout. C'est un alpha, mais bon, c'est suffit très bien pour ce que c'est. On se trouve avec la map Mirror's Edge. Oh, what the fuck? On s'en fout ça. La map Mirror's Edge avec. Putain, j'ai du mal à le dire. Donc, et les contrôles du jeu. Franchement, vous allez voir, c'est juste ouf. On va aller dehors, ça va être plus simple pour que je puisse vous le montrer. Donc, comme vous pouvez voir, on est sur la. Merde. On est sur la map du jeu. Donc pour le bien de la vidéo, on va se mettre en game mode 0, de la boue de toute façon, on va se mourir en bouffe, voilà. Donc je vais d'abord vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le mode, donc on est en 1.7.10, hein, le mode n'a pas été mis à jour, mais ça on s'en fout un peu. Donc on peut faire des détours sur nous-mêmes, comme vous pouvez voir, c'est super cool. On peut... Bah je vais enlever ma main ici, on peut slider sur le mur. Pas trop longtemps sinon on prend des dégâts. Hop, donc on peut faire un enchaînement, regardez, hop hop. Et on peut faire des roulades. On peut faire des roulades, donc ça c'est juste ouf. Je vais vous montrer encore une fois. Hop, et là on fait une roulade. Donc c'est normal si on prend un peu de dégâts. Bon, mon jeu déconne un peu mais ça sera pas trop gênant. A savoir que j'enregistre avec Action de Myrilis. Parce que Fraps, bah le problème c'est que Fraps déconne, enfin fait crasher mon jeu. Enfin fait crasher en fait. Freeze l'image du jeu au bout genre d'une dizaine de secondes, en fait c'est aléatoire et du coup bah, je suis obligé d'arrêter la capture pour que le jeu puisse reprendre et du coup bah, on peut pas enregistrer. Ici vous pouvez voir, donc je vous montre en même temps tout ce qu'on peut faire. Vous pouvez voir, c'est assez cool. Par exemple là si je me lâche ici, voilà, je peux me raccrocher ici et faire un double jump. C'est juste ouf. On peut avoir aussi le ralenti, c'est génial, donc ça va reprendre. Et on a aussi ça. On peut slider. Je pense que j'ai tout dit, alors on va voir ça tout de suite. Merde. On va voir ça tout de suite. Mods, cube edge, config. On a le turn, le roll, le grab, le wall jump. Ça s'est montré. Le jump. Jump? Comment ça jump? C'est pareil que le jump. Slide. Et sprint animation. Donc je pense que j'ai tout montré, j'espère. On va retourner sur la map et on va faire un petit peu de parcours. Puis on va voir ce que ça donne. Alors j'ai jamais réussi à faire ce saut, donc je vais essayer un peu. Attention, hop, une petite roulade. Franchement, c'est une petite vidéo découverte du mode. J'ai trouvé ça juste et oufissime. Bon là, j'ai pas eu le temps. Hop, là on fait la petite roulade, c'est juste ouf. Tu te croirais dans le jeu en fait. Donc on suit les trucs rouges. Hein, si vous avez, oh putain, si vous avez jamais joué au jeu, pardon, vous pouvez pas comprendre ce que ça fait. Franchement, c'est super cool. Attention, ah merde, c'est vrai qu'on peut pas faire de trucs ici. Je vais me nourrir. Mais faut aller où après? On peut en monter là. Mais si ça fait pas trop. On va aller là-bas. Je sais pas où faut aller après. Je suis toujours perdu par ici. On saute ici. Et ensuite on va où? Ah ici, d'accord. Hop. Bon en fait c'est vraiment... Après c'est que du jump. On va pouvoir utiliser certaines fonctionnalités du mode. Vous allez voir un petit peu après. C'est juste après que ça nous réserve une petite surprise. Non franchement c'est cool. C'est super cool. Ah oui c'est vrai qu'on peut pas accéder ici, comment on fait? Comme ça ici, ouais. Alors, bon, ici on va pas se faire chier, voilà, on va faire ça directement. On va... Bon, il y a quelques bugs par contre, hein, ça je l'explique pas trop. Hop là, hop, la petite roulade est là. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous montrer, c'est ça. On va prendre l'échelle. Donc on va pouvoir... Et là on va pouvoir en fait, voilà, on va pouvoir se jump. Et si je peux, voilà, je peux sauter, c'est juste ouf. Et là, petit ralenti. Et
puisqu'on va l'avoir. Ah, c'est génial. Donc, comme vous aurez pu voir sur l'intro, j'ai eu beaucoup de mal à la faire à cause de, donc, de frappe du coup. Oh, on peut aller là-bas. What? On peut aller là-bas. Je vois pas trop l'utilité. On va voir. Donc, on va un peu se balader. On va pas faire la map vraiment entièrement. Hein. C'est complètement inutile de la faire entièrement. Bah, ici, on va faire un truc super simple. On va faire ça. Hop, hop. Et voilà. C'est juste ouf. Ça change complètement la carte. Du coup, on se croirait vraiment dans Mirror's Edge. Ici, j'ai aménagé le terrain. Ici, il n'y a rien du tout. Ici, il n'y a rien du tout non plus. Hop. Donc là, je peux pas sauter. Donc là, je saute pas assez haut. Je saute pas d'assez haut pour faire une roulade. De toute vous l'aurez vu. Mais ici, on est obligé de descendre. Et là, par contre, on peut faire une roulade. C'est génial. Je suis complètement. Émerveillé. C'était pas prévu ça. Oh lol! Ça, par contre, j'étais pas au courant. MDR! Il a reproduit la carte entièrement. Oh. Ça, par contre, j'étais pas au courant. MDR! C'est trop bien. C'est juste ouf. Donc, vu que j'ai déjà joué au jeu entièrement, j'ai fini le jeu. Je sais à peu près où est-ce qu'on va aller. Merde! Non! Où c'est que je respawn? Oh putain, ici. Du coup, il y aura déjà les. Casse-toi! Je veux pas! Non! Oh là là! Oh! Y'a un truc trop bien! Et vous pouvez voir quand même, c'est super sympa! Par contre, la vue à la troisième personne, ça donne strictement rien! J'ai déjà essayé! Hop! On se raccroche! Putain, par contre, c'est assez aléatoire les sauts! Ah, je peux pas sauter ici! C'est vrai! Mais ce qu'on va faire. Putain! C'est assez chelou comment le personnage saute, enfin qu'il y a un boost en fait. Est-ce que c'est... D'accord, donc quand il y a un wall run, on peut pas trop... C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est pour ce boost. Du coup... Ah oh, c'est juste ouf. Si le jeu serait un petit peu plus fluide, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Donc ça c'est des cakes hein, si vous... Ah non c'est un lit, merde. Et là c'est des cakes. Hop, on rencontre, on prend les dégâts quand même. Hop là on hit le game. Ah putain. Là on prend la porte. Aïe aïe aïe. Oh bien si je prends la potion de cette meuf. Où c'est qu'on va? Oh, pire, hop. Ok j'ai pas compris, c'est pas grave. Où est-ce qu'on va? On va aller là-bas. Hop là. On va manger un peu. Comment je fais là? Merde. On va essayer. Ah non! Non! Je voulais trop essayer un truc. Mais pourquoi? Non! Faut que je fasse un compteur de mort. Ouf. Où j'aille où là? Ah, c'est pas là. Si c'était là. Ah c'est bon. Faut que je monte les escaliers en fait, je suis trop con. Je sais pas où c'est qu'il faut que j'aille. Disons que c'était par là. Et pas de d'indication. Ici on va avoir un autre. On va passer par là. Ah on peut pas sauter par ici. Je peux sauter par là. Faut que j'active ce levier. Oh, ah oui mais ça j'ai oublié de vous montrer. Ah non si je vous l'avais montré. Et du coup ça change tout quoi. Qu'est-ce que c'est activé là? Hop là. Yes. Oh. Quel petit freeze, désolé. Excusez-moi du freeze. Ah d'accord. Merde. On va voir ce qu'il y a au-dessus. Il y a un truc caché. Pas du tout, mais par contre on peut faire ça. Et là. Ah c'est génial. C'était pas du tout prévu ça. Hop là. Où c'est qu'on va? Donc là si je veux faire hop. Hop là. Ah non, faut que je saute là, c'est ça. Faut pas que j'aille en bas. C'est génial. Non. Non. Ah une autre grue. Un autre ralenti.
Hop là. Je crois que j'ai pris trop en avant. Oh non, c'est génial. C'est juste ouf. Oh merde. Ah par contre là c'est le temps d'axe pour descendre. Il faut que j'aille. Ah. Voilà. Ouais, c'est assez chiant par contre, hein. C'est un peu bugué. Ah. C'est quand même bien bugué. On va faire comme ça. Voilà. De toute façon, on a la roulade. Est-ce qu'il fallait que je descende plus bas? De toute façon, c'était pour monter ça. Non? Ouais, c'était pour monter. Bon, vous avez vu que le skin, c'est un skin 1.8, mais celui-là était le plus ressemblant par rapport aux autres. Clairement. Voilà. Où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va? Allez! Je suis vraiment emporté par le truc en fait, c'est juste ouf. C'est juste trop bien comment ça a été fait. Hop là. Ah d'accord. Quoi? Faut que j'aille où? Hein? Bonjour. Là? Maybe? Don't know. Can you repeat the question? Malcolm. Hein. On va où? À partir de la merde. Oh merde, c'est passé haut. C'est con, ça manque de PNJ vraiment du jeu quoi. Dommage. Mais franchement déjà c'est une très très belle reproduction quoi. On voit que le gars s'est appliqué. Ah putain. Ah, ouvert. C'est dire qu'on a un ascenseur. Oh, salut. Wow. J'étais pas prêt. I wasn't ready. Fuck. Ta mère, ta mère, ta mère. C'était pas là, c'était pas là, c'était pas là, c'était pas là, j'ai compris. Aïe. Merci. Adieu. Fuck. C'est où? Ouais, faut que j'aille là-bas. Comment je vais là-bas? C'est chaud quand même. Alors attendez, j'ai quelques petits lags. Je vais faire ça comme ça. Ça marche tout le temps, ça. Bon, pas trop, hein, mais bon. On fait avec. Si, c'est potable. Si, ça reste potable. Je suis un peu n'importe, je suis désolé. Regarde le compteur de FPS. Non, ça va, ça reste. Ça reste mieux que frappe déjà. Hein. Par rapport au lag toutes les 10 minutes. Là, ça reste beaucoup plus potable. Je pense. Ouais, mais c'est le processeur, je sais beaucoup. Non, mais c'est tranquille, on est tranquille. Ah bah non. J'essaie de ne pas faire de. Ils sont tous là. Non. Oh. Ouais, c'était qu'à tous. Ok. Je crois que c'était là. Du coup, ils sont tous entre eux. Vous avez tout le temps. Tu fous de ma gueule. Oh, là. On peut monter plus haut? Ça fait quoi d'aller plus haut? C'est bloqué, non? Ouais, c'est bloqué. Je me disais bien. Bon par contre c'est, vous pouvez voir que c'est un peu bien bugué quand même. On a quand même une belle vue sur la ville. La ville dans Catalyst ça s'appelle Glace, mais est-ce que dans Mirror's Edge 1 elle s'appelle Glace aussi? Je vous le demande bien. Ah putain c'est ça. Tu me préviens avant de tomber s'il te plaît. Oh. Quoi? Comment je fais là? Ah bah genre, tout simplement. Tout simplement. Hop là. Putain. Adieu. Prout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. Je voulais juste vous montrer principalement le mod. Parce qu'il en vaut vraiment, genre vraiment la peine. Franchement, c'est super ouf ce qu'on peut faire. Là normalement je suis en game mode 1, donc on va faire un truc. Vous allez voir, c'est juste ouf. Attention, pour se quitter. Si tout va bien. Oh ta mère, ça a pas marché. Là ça a marché. Bon, ok. Là ça a marché. Quoi? Pourquoi ça marche pas? Je veux faire une roulade, s'il vous plaît. Voilà, merci pour la roulade. Enfin bref, j'espère que cette vidéo assez courte, je pense, vous aura plu. Franchement, j'ai pris un kiff à la faire, tellement j'étais impatient de la faire. Ce que je veux dire, alors il y aura d'abord donc Minecraft Story Mode, l'épisode 6 qui va sortir très 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 vite. Donc je pense que l'épisode de Mirror's Edge sortira entre temps. Voilà, donc... en attendant, moi je vous dis à la prochaine, on se verra très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !